Salut les gars, c'est Max238, j'espère que vous allez tous très très bien. Bon, on part soit très bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouveau gameplay qui était pendant une semaine donc sur le WXP de Nuketown 2025, donc sur mon compte Animos. Je joue à la grosse batteuse, donc Elsad je crois. Bizarre réflexe, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Bizarre réflexe. Donc je vais faire une grosse partie, hein, plus de 32 ratios. J'en dis pas plus, je vous ai agréé le gameplay. Il y aura une petite musique, deux, trois petites musiques de fond au cas où. Aujourd'hui on va parler un peu donc de Ghost, de la PS et des Next Gen. Alors, Ghost sort dans 3 jours. Et en 3-4 jours, ouais, donc le 5. Pour ma part, moi je l'ai lundi. Et donc franchement, bah moi j'espère que ça va être un bon jeu. Et puis, soit disant qu'il va annoncer des serveurs dédiés, donc ça je demande à voir. Le serveur dédié, j'y crois pas trop, mais bon, si jamais c'est un des serveurs dédiés, vive la co quoi. Ghost est déjà hacké, comme quoi il est même pas sorti en disque, il est déjà sorti pour la PS3 craqué, qu'il est déjà hacké, il est déjà mort le jeu. Mais bon, sur PS4, à mon avis, il n'y aura pas de sort de hack. Pour ma part, Ghost, les gameplays que j'ai vus, c'est vraiment pas mal, les coups de cut sont pas mal. J'ai pu essayer Ghost là où j'habite, dans ma ville. Franchement, j'ai bien aimé. Mais bon, j'attends de l'avoir. Donc, je prends la version normale, hein. Je prends la Ardennes Audition Prestige. Pourquoi? Parce que c'est cher. Et la version Ardennes 120€, je prends ma Season Pass un peu plus tard sur ma PS4. Donc voilà. Maintenant, c'est dans pas la Next Gen. Donc, oui, je prends la PS4. Non pas la Xbox One, peut-être dans un an. Pourquoi pas? La Xbox One ne m'a pas plu du tout. Pourquoi? À la première conférence, ne m'a pas plu tout court. Tout simplement car ce qu'ils ont proposé Microsoft j'étais à bout quoi. J'en voulais pas. Et Microsoft, ouais, ils ont proposé du contenu que j'ai pas aimé. Que j'ai pas aimé du tout. C'était de la folie. Il fallait se connecter toutes les 24 heures. Déjà là, ça m'avait pas plu. C'est pour ça que j'avais réservé la PS4 qui m'a grave plu et que franchement. Je kiffe. Vous pouvez voir que Strike vient de débloquer son All-Star, qui va faire une très bonne partie lui aussi. Qui débloque son All-Star, je viens de débloquer le mien, je suis en manque de mun. Vous pouvez voir, mais on spawn kill, on spawn trap, on spawn kill comme vous le dites, à mort. Vous pouvez voir que Strike s'occupe de tout. Que moi j'ai fait mourir à plusieurs reprises, comme là maintenant. Ou plus tard dans la maison avec la Scarache. Donc après j'ai lancé mon All-Star, notre micro, enfin voilà, vous allez voir. Qu'il y aura un gros fail à la fin, que j'avais mal compris lors de la converse. J'étais aussi avec Famous Powa, donc qui est un nouveau membre de Animals. Donc voilà. Ensuite, donc oui, moi j'ai pris la PS4 car elle me plaît maintenant énormément. Et déjà tout réservé FIFA, alors que je vais mourir. FIFA, Ghost, Battlefield 4, Watch Dog. Enfin bref, la totale quoi, j'ai bien la saigné cette PS4. Je vais l'avoir le jour officiel, un unboxing sera prévu. Donc voilà. Ensuite, de quoi d'autre on va parler? Moi je sais pas ce que vous avez pensé de la Paris Games Week. Donc oui, la Paris Games Week, franchement c'était meilleur. Honteux. C'était honteux pour la Paris Games Week de ce qui s'est passé le premier jour à cause d'Activision pour avoir les 500 premiers. Je crois qu'il y avait eu l'édition Prestige, je crois. Je crois que c'est ça. Excusez-moi, pardon. Franchement c'est honteux quoi de la part d'Activision, qui je crois que le directeur d'Activision et le directeur qui a organisé la Paris Games Week, je crois, je suis pas sûr, mais bon c'est bien honteux. Donc vous pouvez voir là je fais du 17-0, très très bon score, mis à part qu'il y aura un petit fail magnifique d'ailleurs. Magnifique score en début de manche. Voulez-vous quand même garder la pêche? Voilà, après, ensuite, il y aura un autre gameplay, ce sera un plus 50 kills.
Et après, les prochaines vidéos seront sur ma PS4. Donc, quand je ferai l'unboxing, il y aura un petit gameplay qui suivra avec la PS4. Donc voilà, je pense faire ça. Et une nouvelle série sur GTA V, qui sera The Real Life in GTA Online. Donc, on verra justement notre star. La vraie vie dans GTA Online. Donc, je recrée un perso. On va tout refaire avec Strike. Donc voilà, une petite série normale, tranquillou. On va tout recommencer. Bien sympathique. Donc voilà. Évidemment, tout sera en vidéo. On ne touchera plus à rien. Tout sera filmé en vidéo. Donc voilà. Là, vous pouvez voir que ça rage. Ça rage sec parce que je vole tous les kills. Là, je vais faire détruire mon Lone Star. Là, je crois que je faisais un gros score quand même. Je faisais du 30 et quelques 0. Je suis pas sûr. Je sais plus si j'avais regardé ou pas. Après, là, je respawn kill encore une fois. Mais bon, après aussi, c'est normal qu'on spawn kill. Je sais pas quoi dire franchement, mais bon, c'est un sujet fait à l'arrache. 250 abonnés, je ferai gagner un autre truc. Grosse semaine de live. Une grosse semaine de live comme j'avais fait pour mes 200 abonnés. Oh là là, là la micro. Oh là la micro, vous allez voir que là on va en respawn kill. Et là je vais avoir un gros fail parce qu'en fait je croyais que s'il posait pas la bombe qu'on allait gagner, mais j'avais pas capté. Et Strike m'avait mal expliqué, du coup je pensais ouais, voilà, je suis 35-0, je vais continuer la deuxième manche avec un gros massacre encore, peut-être le plus de 50 de ratio et tout. Vous allez voir que j'ai débloqué mon Lone Star, mais qu'en fait je vais pas le lancer tout simplement, car à cause du fail, j'ai tout mal compris de travers. Vous allez voir que je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, là, voilà, je débloque la médaille un petit peu. Là, j'ai chaud pour avoir la nucléaire et tout. Je fais, ah, c'est bon, à moi la nuque. Puis il reste 20 secondes, je fais, c'est bon, il y aura 1-1. Et en fait, bah non. J'ai carrément fail. Carrément fail, bon, plus 50 de race. Vous pouvez voir, j'ai le Lone Star, mais ça fait ça, je vais pas le lancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine pour le notre gameplay de plus de 50 kills. Et puis, bah, on se retrouve après pour la PS4. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook ou sur Twitter, il y a un lien dans la description. Et puis voilà, donc moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et au revoir!